animal me convient très bien parce que je me suis toujours considéré comme un animal, ce qui est une évidence dont j'ai un peu honte, mais c'est ainsi. Alors animal, ça a une autre résonance pour moi, c'est que je suis peintre et j'ai beaucoup peint des animaux, mais notamment des chiens. Je suis un peintre de chiens. Je les ai découpés souvent en morceaux, enfin les fragments, c'est dans la peinture, c'est pas dans la réalité. Je suis pas un être agressif. J'aime bien les chiens d'une manière générale, mais je les aime beaucoup. J'aime beaucoup les peindre parce que les chiens ont un poil ras et on voit le squelette de l'animal. Alors que par exemple, on peut pas peindre des chats, alors que j'adore les chats, parce que le chat est dissimulé par sa fourrure. Alors je suis un peintre de chiens. Je numérote souvent les abattis que je peins. Et je ne me lasse pas de la peinture de chiens. Ce qui m'est arrivé avec les chiens, qui m'a beaucoup passionné, c'est de les dessiner avec un trait noir très agressif, très visible, mais juste. C'est un dessin très honnête. Je ne sais pas si ça veut dire quelque chose, honnête, avec une histoire de dessin. Mais pour faire le poil, j'avais trouvé une idée qui a très bien fonctionné, c'est d'utiliser, une fois que j'avais tracé le dessin du chien, c'est de remplir tout l'espace que j'avais ainsi tracé avec une peinture en flaque, c'est-à-dire une peinture très liquide qui remplit l'espace. Et à ce moment-là, je m'en vais, je vais boire un café, je laisse la chose vivre d'elle-même. Et quand je reviens, la peinture a séché et le poil du chien est impeccable.